Bienvenue dans cette vidéo, vous m'avez posé de nombreuses questions sur la crypto-monnaie. Les questions sont très diverses et vous apporteront énormément de valeur. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez la moindre question, à les poser en commentaire en dessous de cette vidéo. Je serai très heureux d'y répondre dans les prochaines vidéos sur YouTube. Et comme d'habitude, abonnez-vous, likez si vous avez aimé et n'oubliez pas d'activer la cloche pour voir les prochaines publications sur cette chaîne. Comment est-ce qu'un débutant peut-il distinguer une crypto-monnaie légitime d'une arnaque Ça, c'est une super question parce que beaucoup de gens se font avoir. On va faire un tableau ensemble avec les éléments positifs qui vous indiqueront qu'il n'y a pas d'arnaque derrière et qu'il y a une vraie structure et les éléments négatifs. Déjà, si on vous promet qu'une crypto-monnaie va faire par exemple plus 1000 ou je ne sais combien de pourcent, attention, forte probabilité d'arnaque. Si on vous a ajouté sur un groupe Telegram ou pire sur un groupe WhatsApp ou pire sur un Discord en vous disant qu'il y a un nouveau projet incroyable ou même que il y ait des courbes comme ça qui vous sont montrées avec par exemple plus 100% trading réussi et que tout le monde se met à envoyer des fusées dans tous les sens, c'est un énorme signal d'arnaque. Car la majorité des gens vont vous dire voilà, il y a une nouvelle crypto-monnaie, c'est le moment, regardez les précédents résultats, regardez comment la courbe a justement explosé. Et en fait, ils vous envoient sur des sites avec des contrats qui sont liés justement à ces crypto-monnaies, où vous allez pouvoir bien entendu acheter ces cryptos mais vous n'aurez jamais la possibilité de les revendre. Et bien eux, qu'est-ce qu'ils passent Ils créent des nouvelles crypto-monnaies, ils attendent que plein de gens les achètent, mais ces personnes-là ne peuvent pas les revendre. Et ensuite, eux vont avoir la capacité de revendre, ils prennent tout l'argent, le Telegram disparaît, le WhatsApp disparaît, et ils se tirent avec des centaines de milliers d'euros. Vous, vous n'aurez strictement aucun recours. Donc faites bien attention, des promesses trop hautes... L'ajout forcé dans des groupes, des affichages de réussite de trading en masse, le fait de devoir rejoindre un groupe de trading. Et bien entendu, des toutes nouvelles cryptos dont personne n'a jamais entendu parler avec des lancements avec beaucoup de screens d'avant de précédentes réussites, c'est totalement à fuir. Si la crypto-monnaie est récente, elle a quelques mois ou le projet par exemple a moins d'un an, je vous recommande vraiment d'éviter de rentrer là-dedans. Car une société qui lance justement une crypto-monnaie et qui n'a pas par exemple un an d'ancienneté n'a pas terminé un cycle complet de sa comptabilité. Et du coup, on ne sait pas dans quel état est l'entreprise qui a lancé justement cette crypto. Et de même, si les fondateurs ne montrent absolument pas leur visage, fouillez absolument. Maintenant, si vous avez en fait ce qu'on appelle du track record, donc vous avez des fondateurs qui montrent leur visage et qui sont réels et qui ne sont pas des IA, qui ont déjà lancé des projets, qui ont réussi ou non, ça c'est pas grave, eh bien ça vous permettra déjà d'avoir un signal très positif. Parce qu'ils s'exposent publiquement et vous pouvez avoir le track record, donc voir ce que ces personnes ont fait auparavant. Si ce sont des personnes qui sont reconnues vraiment comme des experts, elles n'ont pas envie de détruire leur réputation. Donc elles vont faire le maximum pour que le projet réussisse. Si la crypto-monnaie existe depuis plusieurs années, notamment depuis plus de 5 ans, c'est un excellent signal. Ce n'est pas grave si vous voyez par exemple sur les différentes courbes de variation de prix, vous pouvez aller sur CoinMarketCap, par exemple, qu'il y a eu un crash, etc. Et ce genre de choses. Parce que de toute façon, c'est le Bitcoin qui va donner le mot d'ordre. C'est lui qui va influencer tout le monde de la crypto-monnaie. Et si le Bitcoin crash, vous avez beau avoir la meilleure équipe derrière un projet. Cette crypto-monnaie-là crashera. L'important est de voir qu'ils sont toujours là, ils sont en train de travailler dessus, de build, de ne pas dépenser de l'argent bêtement, donc mettre du marketing là-dessus alors que tout s'est effondré. Et qu'il commence à y avoir justement eh bien des résultats, des preuves technologiques, de montrer des fonctionnalités, de montrer un jeu, de montrer des images. Ça, c'est hyper important. Et puis, vous avez ensuite ce qu'on appelle le white paper. C'est un document qui est disponible sur les sites internet de crypto-monnaies assez conséquent et qui vous permet, par exemple, en une vingtaine de pages, voire plus, de comprendre l'intégralité de l'économie et des projets, justement, de la société. On parlera alors d'une analyse de tokenomie et bien entendu, comme une analyse classique d'une entreprise et eh bien du projet et de sa faisabilité. Parce que si le projet propose par exemple une solution qui ne rencontre pas son marché, et eh bien comme toute entreprise, ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez lu tout ça et que ça vous a mis en confiance, vous pouvez suivre le projet pour voir si tout se passe bien dans ce qu'on appelle la roadmap. Si certains objectifs ont commencé à être accomplis conformément à la roadmap, et eh bien vous pouvez être potentiellement confiant dans le projet. Dernier point important, faites très attention aux influenceurs qui vous parlent justement de projets crypto. La majorité des influenceurs sont payés et rémunérés pour le faire. Et ils n'analysent pas du tout le projet, ils sont juste là pour empocher l'argent. Je débute dans la crypto-monnaie. Comment je fais pour sécuriser mes portfolios? Donc, comment faire pour sécuriser surtout tous les portefeuilles que vous avez et tout l'ensemble de ces portefeuilles, de ces sites internet, de Metamask, ainsi de suite? Ça constitue en fait votre portfolio. On parlera alors aussi de bagues en crypto-monnaie, de sac où vous avez vos différentes cryptos. Vous avez par exemple une partie des crypto-monnaies sur Metamask qui est le portefeuille de crypto le plus connu. Puis après, vous l'avez sur des sites qu'on appelle des exchanges, par exemple comme Binance, crypto.com, kraken et ainsi de suite. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des exchanges. On appelle ça même des CEX. Ce sont des exchanges centralisés et vous en avez peut-être aussi sur des sites où vous vous connectez avec votre Metamask justement. On parlera alors de Dex de sites décentralisés. Par exemple, euh, Uniswap, PancakeSwap. Quand votre argent est positionné justement sur un exchange, il ne vous appartient pas. C'est comme si vous envoyiez l'argent à la banque. Vous devez demander l'autorisation de retirer votre argent. Si vous l'avez sur votre portefeuille Metamask, par exemple, il vous appartient. Pas de souci. Mais il y a souvent des failles de sécurité. Et si vous êtes sur Index, eh bien, vous connectez tout simplement votre meta sur ces différents sites Internet. Le problème, c'est que souvent on autorise des choses, dont on n'est pas trop au courant. On appuie sur oui, on appuie sur... Sur Et des fois on se connecte à de très mauvais sites, ce qui fait que on perd totalement son portefeuille, on se le fait alors siphonner. Qu'est-ce que vous devez faire Eh bien vous avez déjà un password, bien entendu, sur Metamask. Sur tous les autres sites Internet, vous devez absolument activer le 2FA. Ce qui marche mieux, c'est les numéros par SMS ou le Google Authenticator. Activez-le sur un maximum de sites internet et ayez des mots de passe différents pour tous vos sites. Pour pouvoir les retenir, vous pouvez utiliser le Chrome Wallet, le générateur du coup de mots de passe de Google Chrome. Mais il existe aussi d'autres solutions, comme par exemple OnePassword. Donc déjà, ça, c'est super important. Ensuite, vous devez vous dire que vous avez à chaque fois une suite de lettres, A, B, C, D, X, 3, etc. Bah, ça peut être votre adresse publique où vous allez envoyer de la crypto-monnaie. Pas de souci, vous la partagez. Mais par contre, ce qu'on appelle par exemple la clé privée, vous ne devez jamais en aucun cas le partager. Parce que ça permettrait à quelqu'un de malveillant de se connecter justement à votre MetaMask ou à votre site internet et de vous le vider. Aucun site au monde ne vous demandera votre clé privée. Et si c'est le cas, c'est une arnaque. Maintenant, il existe aussi des moyens matériels pour pouvoir justement sauvegarder sa crypto-monnaie et ne pas se la faire voler. On parlera alors de Ledger qui est ce qu'on appelle un portefeuille froid. A l'inverse, Metamask est un portefeuille chaud. Il est froid parce qu'une fois que vous le déconnectez, c'est sur une sorte de clé USB comme ça, eh bien il n'est plus du tout connecté Internet. Personne ne peut rien faire. Pour débloquer votre ledger, vous avez justement un code et il y a une histoire de clé privée. Vous perdez votre ledger, vous pouvez la restaurer avec une suite de mots. Ce sont des suites de 12, 24, 48 mots qu'on vous donne lors de votre inscription. Enregistrez-le, imprimez-le sur un papier et mettez-le dans un coffre à la banque. Ne les stockez pas sur un drive, ne les stockez pas sur iCloud, sinon quelqu'un arrivera très bien vous les voler. Je vous laisse un lien dans la description pour pouvoir accéder justement à Ledger avec Inoff. En tout cas, ça, c'est la meilleure manière justement de protéger ses crypto-monnaies et d'éviter justement de se les faire voler. Donc respectez bien ça. Un très bon password qui est différent pour chacun des sites. Activez le 2FA partout et ne changez jamais de numéro de téléphone. Ne partagez jamais votre clé privée alors que votre adresse publique, il n'y a aucun souci. Ne vous connectez pas sur des sites louches et souvent ça va être dans cette partie-là, dans les DEX. Et si possible, centralisez sur un Ledger parce que au final, l'argent que vous avez positionné ici ici ne vous appartient pas. C'est pour ça que lors du crash de FTX, beaucoup de personnes ont perdu énormément d'argent. Elles n'ont pas eu le temps de le retirer. Qu'est-ce qu'un wallet de cryptomonnaie et comment un débutant devrait-il le choisir Alors, c'est ce dont je parlais avant, les portefeuilles, ce sont les wallets. Vous avez du coup les wallets chauds comme par exemple MetaMask ou bien Trust Wallet, et les wallets froids, comme par exemple les clés ledger. Comment vous devriez en choisir un Eh bien déjà, c'est en fonction de ce que vous, vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de vous connecter, par exemple, à ce genre de site, sur différents réseaux Mais sans partir sur des choses complexes, dites-vous bien que Metamask est le plus connu et Trust Wallet aussi. Ce sont deux grosses entreprises. N'allez pas sur les trucs un peu louches qui viennent de sortir et qui seraient à câble facilement ou qui pourraient disparaître dans la nature. Donc faites confiance aux grosses références dans un temps, même s'il y a déjà eu des soucis avec Metamask faites confiance aux grosses références et ensuite pour les portefeuilles froids et eh bien il y a un acteur français justement qui s'appelle Ledger et qui est le leader incontesté hein, vous pouvez du coup prendre une clé Ledger sachez juste qu'il faut un peu s'y habituer au début parce que vous devez la connecter mais tout est très bien expliqué ça vous permettra de vous connecter aussi aux différents sites de manière sécurisée comment est-ce qu'un débutant peut comprendre et analyser les marchés de crypto monnaies et eh bien souvent un débutant il va aller directement dans ce qu'on appelle de l'analyse Techniques. Par exemple, vous dire, ok, il y a cette courbe-là d'une crypto-monnaie, elle fluctue, elle fait comme ça, bam, 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 et ainsi de suite. Et puis après, on va commencer à calculer les zones de résistance, on va faire les courbes de Fibonacci, on va faire plein de calculs mathématiques et de probabilités pour déterminer quel est le meilleur choix à faire. Est-ce que je dois acheter au moment-là Est-ce que je dois vendre Et ça, en réalité, c'est quelque chose d'assez complexe, mine de rien. Si vous n'avez pas d'expérience là-dedans, il vous faudra de nombreuses fois pratiquer et de nombreuses fois échouer, bien entendu, et réussir pour comprendre le mécanisme et vous dire que le plus important dans la réussite c'est de ne pas mettre trop de sentiments, de feeling et surtout de faire confiance justement à bah, soi-même, à garder son sang-froid et à se fixer des objectifs. Parce que quand vous voyez des choses s'effondrer, bah, vous pouvez vous dire mince, allez je vais vendre. Et après ça peut repartir directement conformément à vos objectifs précédents. Et là, vous auriez loupé du coup une belle occasion. Tout ça, vous pouvez bien entendu le pratiquer. Mais je trouve ça assez compliqué justement pour un débutant. Comme au début de cette vidéo, je vous recommande vraiment de faire de la véritable analyse théorique. En faisant de l'analyse théorique, vous allez analyser un projet crypto comme un véritable projet d'entreprise, comme une société d'investissement qui voudrait investir. Derrière chaque projet crypto, il y a un projet avec des personnes qui travaillent et une structure. Vous devez du coup vous dire qui sont justement les fondateurs, quel est leur passif et ce qu'ils ont réussi ils ont des échecs Est-ce qu'ils montrent leur visage Quelle est aussi la probabilité que ce projet réussisse, qu'ils trouvent justement un marché et qu'ils sortent de l'argent Quel est son environnement concurrentiel Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont positionnées Est-ce que c'est insensé de se lancer sur cette thématique là Tous ces éléments là vous les avez bien entendu sur le site internet de la compagnie et bien entendu le fameux white paper qui vous expliquera tout de a à z sur le projet. Vous analyserez alors la rentabilité avec la tokenomie et Surtout, vous ne vous laisserez pas influencer par les avis car il y a énormément de faux comptes et de bots qui vont venir mettre des 5 étoiles, des ouais c'est le meilleur projet du monde, j'ai mis tout mon argent dessus et ainsi de suite. Avec ça, vous analyserez ça comme si vous étiez un investisseur qui va investir dans une nouvelle boîte. Et si une boîte est bien créée, elle a une bonne structure, une bonne équipe, une bonne économie, un bon projet, un bon placement sur le marché, ça permettra justement de faire réussir ce projet. Ce sera super intéressant en plus parce que vous allez apprendre et énormément de choses sans vous casser la tête avec des éléments techniques qui sont compliqués, mathématiques et qui sont plus de l'ordre de la probabilité. Personnellement je mets ça en critère numéro 1 et l'analyse technique ça va peut-être venir en 20ème critère tout à la fin. Mais ça c'est parce que je suis un investisseur long terme, je garde mes bacs pendant 3 à 8 ans. Comment est-ce que je peux connaître les dernières tendances et actualités de la crypto-monnaie Je débute et il y a des informations partout. Ça c'est vrai il y a des informations partout et en plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle eh bien il y a plein de sites et de blogs qui génèrent des centaines d'articles juste en quelques clics et hélas leur intérêt c'est pas de vous délivrer une information de qualité mais d'être positionné justement sur Google pour qu'on les trouve plus facilement pour qu'ils puissent vendre ensuite des choses, comme par exemple des formations, du service, du coaching, et donc qu'elles gagnent plus d'argent. Et ça, c'est un gros problème justement du référencement naturel, parce que tout le monde se bat pour avoir justement des mots-clés qui sont bien positionnés, sans penser à la réelle analyse d'un projet et de son contenu. Donc déjà, méfiez-vous bien de tout ça. S'il y a un site Internet qui parle rarement négativement des projets, c'est que potentiellement, son intérêt est tout autre, car je vous assure, il y a énormément de mauvais projets. Vous devez donc trouver des bonnes sources et identifier ces sites qui voilà ne sont pas forcément intéressants pour vous car ils ne rédigent pas de véritables analyses. Une fois que vous avez trouvé ces différents sites, en fait vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un oracle. C'est tout simplement un site internet, une page où vous allez avoir vos différents résumés de sites internet que vous aimez, que vous suivez, mais aussi par exemple de youtubeurs, d'influenceurs et ainsi de suite. Ça, vous pouvez le faire grâce à ce qu'on appelle à des flux R. Vous vous connectez à ces sites là, il y en a plein. Vous cherchez agrégateur de flux RSS par exemple, et vous dites Ok, j'aime bien tel et tel site, je prends son flux RSS, c'est généralement le site slash RSS, et vous le collez ici, et vous aurez toutes les informations du site là. Vous collez un autre site ici, vous aurez toutes les informations, et en vous connectant là-dedans, et eh bien directement en un coup d'œil, vous pourrez voir toutes les nouvelles nouveautés concentrées en un seul point. Et ça, c'est vraiment la même chose hein, pour par exemple les youtubeurs, les influenceurs, TikTok. Dites-vous bien, est-ce que les personnes dont je suis les vidéos, le Contenu, ainsi de suite, me donne de la valeur, sont transparentes avec moi, et est-ce que je suis aussi en accord avec leur analyse Si vous n'êtes pas forcément d'accord avec eux, pas de souci. Il y a des centaines et des milliers d'autres sites et d'influenceurs. Vous devez du coup chercher celui qui vous correspond aussi, parce qu'il y a des stratégies, bien entendu, qui sont différentes. Comme moi, je vous l'ai dit, je suis pas analyse technique. Je suis plutôt analyse. Technique. Théorique. Donc, créez votre oracle à vous avec vraiment tous les sites et tous les éléments que vous voulez, et comme ça, ça vous évitera de vous faire influencer par tous les articles, souvent en mode clickbait cliquez ici, achetez aujourd'hui ou bien futur bitcoin, point d'interrogation, et ainsi de suite. Faites bien attention à ça, et vous gagnerez beaucoup plus d'argent en ayant des sources qui sont claires et précises. Est moins incitante, moins paniquante que en vous laissant influencer par tout ça. Sur quel projet crypto devrais-je me concentrer si je débute Alors, j'ai déjà parlé d'énormément d'éléments avant pour faire de l'analyse théorique et de l'analyse en fait euh, technique. Mais si vous débutez et que vous voulez par exemple dès ce soir dépenser de l'argent en crypto-monnaie, et eh bien dites-vous bien qu'en allant par exemple sur CoinMarketCap, qui sont des sites qui permettent de référencer en fait le cours de plein, 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 plein de crypto vous allez en fait sur le top 30. Et vous allez voir, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite, il y aura le nom affiché, la variation, leur logo à chaque fois, enfin le diminutif, et bien entendu la capitalisation. Regardez ces 30 projets là. Regardez s'ils sont là depuis longtemps. Regardez s'il y a de nouveau de l'activité, donc ce qu'on appelle du volume, et s'il y a beaucoup de capitalisation de marché. Classez-le par la capitalisation de marché. De cette manière là, ça vous permettra d'avoir en fait un top de projets crypto qui sont là depuis très longtemps, avec énormément d'argent injecté, ce qui veut dire que ça va pas disparaître du jour au lendemain, et avec du volume, c'est-à-dire que les gens continuent de s'intéresser, de vendre et d'acheter. Donc le projet n'est pas mort. Si vous voulez commencer vraiment, vous pouvez utiliser ces critères là. Et vous dire, voilà, j'achète un peu de ça, par exemple 5% ici, 5 là, 5% ici, 5% là, et ainsi de suite. Faites comme vous voulez, mais ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Et en appliquant cette technique-là, vous aurez des projets qui sont solides et qui ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Maintenant, ces projets-là sont peut-être au maximum de leur capacité et le prix rechutera peut-être par la suite. Ça, hélas, je ne suis pas devin, je ne peux pas le prédire. Mais ce sera toujours mieux que d'acheter une crypto-monnaie louche dont vous avez entendu parler sur Telegram ou WhatsApp, ou bien une crypto-monnaie qui est par exemple positionnée. En 5 millièmes et qui a quasiment pas de volume ou quasiment pas de capitalisation de marché. Voilà pour ces questions au sujet de la crypto-monnaie. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo sera bien entendu constituée des différentes questions que vous m'envoyez par mail ou en commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre les différentes formations, dont une qui est gratuite dans la description et qui vous permettra de vous lancer dans la crypto. Prenez soin de vous, à très bientôt.